Alors, monsieur Henri Zavan, bonjour. Oui, bonjour. C'est le 14e salon, donc vous avez commencé en l'an 2000. Exactement, c'est facile à compter comme ça. Alors, c'est une passion au départ. Comment ça, on se retrouve responsable d'un salon comme celui-là? Alors, si vous voulez, nous organisons deux salons importants dans l'année. Hein. Un au mois de mars, c'est le salon de la collection. Et le deuxième salon, aujourd'hui, le salon du livre ancien, de la carte postale et du vieux papier. Mais il y a beaucoup de choses ce dimanche 9 novembre à la salle René Coaco, ici. Oui, effectivement. Alors, dans cette première salle René Coaco, il y a 14 professionnels, des libraires, avec une qualité, on peut dire, de haut niveau, au niveau livres, surtout livres et vieux documents. De façon à, c'est vrai que notre salon a un certain prestige depuis 14 ans. Chaque fois, il évolue dans le bon sens pour attirer le plus possible de collectionneurs. Mais comment a évolué le salon par rapport au début ? Bien, au début, il était hésitant. Il n'y avait qu'une dizaine de marchands locaux. Alors que maintenant, nous avons quelques marchands qui viennent même de très loin, notamment un qui vient de Lourdes, voyez, un autre de pas très loin de Lourdes, de Perpignan. Ensuite, un autre du côté de Mulhouse. Vous voyez donc, pour venir à Bergerac, il faut qu'il y ait un certain prestige et qualité, quoi. Est-ce qu'il y a des enlumineurs ? Oui aussi. Oui. Oui. Mais alors là, c'est beaucoup plus difficile à trouver. Est-ce que pour la jeunesse d'aujourd'hui, qui a pour certains jeunes du mal à commencer à se dire je prends un livre, je l'ouvre, je le lis jusqu'au bout. Le livre ancien n'est-il pas justement une porte d'entrée ? Exactement. Alors cette année, nous avons choisi un thème particulier, c'est la BD. Et comme vous dites, c'est surtout pour intéresser les jeunes à lire, à relire. Bon, il y a du Jules Verne qui est connu. Déjà, ça peut impliquer les gens, les gamins, à apprendre des histoires. Jules Verne, c'est un, tout le monde le connaît. C'était un précurseur presque de science-fiction. Et puis, il sortait des sentiers battus, c'était des précurseurs. Il y a des livres dont on ne soupçonne pas qu'ils existent et ils sont dans les livres anciens. Exactement, exactement. Et donc justement, aujourd'hui, c'est une facilité de rechercher l'objet rare, le livre rare.
Alors comment ça s'est passé, vous avez, en l'an 2000, puisque c'était il y a 14 ans, vous avez sollicité des libraires comme on sollicite... Donc jusqu'à l'an 2000, nous n'avions que ce salon de la collection au mois de mars. Et à la demande de nombreux libraires locaux qui auraient souhaité faire un salon. Donc ça nous a incité, nous, à organiser ce genre de salon. Et en dehors des professionnels, des libraires, il y a des gens qui vendent des livres. Ah non, non, il n'y a que des professionnels ici. D'accord. Aujourd'hui, c'est que pour les professionnels. Alors, justement, pour avoir la qualité, le summum du livre de qualité, quoi. Oui. Le côté produit qui n'est pas abîmé, garanti par le libraire, en quelque sorte. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, un libraire qui propose un livre qui est cassé, par exemple, dans sa reliure à l'intérieur, n'a plus beaucoup de valeur. Hein. Donc ici, vous allez trouver toujours un livre avec une tranche de qualité, la reliure pas cassée, justement ce que je viens de dire. De nos jours, n'y a-t-il pas plus autant de gens qui écrivent que de gens qui lisent, finalement, par rapport au besoin d'écrire ? Malheureusement, justement à cause d'Internet, on écrit de moins en moins. On n'envoie plus de cartes postales comme autrefois. La carte postale, c'était la liaison entre deux personnes. Autrefois, maintenant, on envoie un mail. C'est beaucoup plus rapide. Mais ça n'a pas le même attrait, oui. Bien entendu. Le numérique est-il le seul ennemi ou le principal ? C'est sûrement le principal, oui. Le principal ennemi vis-à-vis du livre, oui. Qu'est-ce que vous conseilleriez à brûle pour point, je dirais, en général, à quelqu'un qui lit pas beaucoup Mais déjà, de venir voir un salon comme ici, ça incite la curiosité. Vous avez l'étalage, vous pouvez voir les marchands, ils font beaucoup d'efforts pour présenter leurs ouvrages. Rien que ne serait-ce que par la curiosité, ça peut inciter à un jeune de prendre un livre, de l'ouvrir et peut-être de le lire. Oui, parce que c'est marrant, c'est presque plus commercial que l'esprit commercial d'un libraire moderne. Pas forcément. Parce qu'il y a quand même des choses auxquelles on ne s'attend pas. Oui, justement, c'est la curiosité du salon. Hein. C'est très important. Et c'est notre but aussi, nous, de rechercher des libraires qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Ce qui est rare et cher, on dit souvent. En effet, c'est vrai. Le but n'est pas forcément de vendre ici. Non, pas forcément. C'est d'inciter les gens à reprendre un livre, à regarder, à le lire peut-être. Le but, c'est ça. Hein. Est-ce que c'est facile de parler d'un livre quand on l'a lu ? Vous voulez dire de le résumer ? En famille, avec des amis, de se dire est-ce que le livre apporte finalement après dans la tradition orale ? Justement, ça peut inciter à un début de conversation sur le thème du livre qu'on a vu ou qu'on a lu. Même à des gens qui ne lisent pas. Exactement, exactement. Et on est surpris même quelquefois, quand on parle de certains ouvrages, on rencontre des gens qui... Ah bon, ah tiens, j'ai pas vu, fais-moi le voir, prête-moi-le. Ça démarre comme ça, la lecture, vous savez. Oui. Et vous me répondez finalement à l'idée de la solution pour donner envie de lire. Oui, peut-être, oui. Exact, oui. D'accord. Merci, monsieur Zavan. Merci. Merci à vous. Monsieur Bernard Dourel, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président. Ben j'ai ce plaisir et cet honneur d'être vice-président du club collectionneur bergeracois. Et oui, nous sommes à l'origine un club de collectionneurs. Alors pourquoi aller vers un salon du livre ancien ? Eh bien tout simplement parce que pour nous, la collection, c'est mieux connaître notre histoire, mieux connaître nos racines. Et cette année, particulièrement, le thème de notre salon du livre ancien, c'est la bande dessinée. Eh bien, la bande dessinée, c'est une façon un petit peu d'être attiré, de commencer la lecture. Et comme on s'intéresse aux jeunes, et ça c'est très important, eh bien, la bande dessinée permet justement de faire cette passerelle entre, je dirais, l'image, Internet, la télévision et la lecture. Et donner l'envie de lire. Voilà. Alors justement, aujourd'hui, on a une magnifique exposition qui parle des années du début du siècle sur l'histoire de la bande dessinée. Voilà, donc je vais laisser la parole quand même aux membres du club et de la commission qui se sont particulièrement investis pour justement cette exposition de l'histoire de la bande dessinée. Voilà. On ne soupçonne pas tout.
Exactement, parce qu'on ne se rend pas compte, on pense souvent au pied nickelé, à Mickey, à Bécassine, à Tintin, mais il y a énormément d'artistes qui se sont vraiment investis, c'est magnifique, et on voit que ces personnages, eh bien, ma foi, traversent l'histoire. Et les grands-parents avaient déjà dans leur caisse de jouets des bandes dessinées, les parents et maintenant les enfants. Et on voit maintenant un design extrêmement moderne et on voit bien que ces personnages ont perduré, et vous allez le voir, et ils ont évolué, mais ils sont toujours là. Merci. Monsieur Jean-Pierre Castelin, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Vous êtes responsable de la plume à l'ordinateur. Oui, exact. Et aujourd'hui, spécialement avec de la BD ancienne. On m'a demandé de prendre que de la BD ancienne, donc, parce qu'autrement, ça, ici, ça représente, je dirais, 750-700 BD à peu près. Mais j'ai 17 000 BD. Alors ça a commencé comment ? Ben, ça a commencé en tombant dans le petit, parce que, en plus, très têtu et très contrariant, parce que mon père me disait que la BD n'était pas de la lecture, et j'avais pas le droit de lire de la BD, alors du coup, maintenant, je me venge. Et je blague pas là, c'est un petit peu la vérité. Mais disons que c'est une passion aussi parce que c'est surtout un monde à part, c'est un monde avec les amis, c'est un monde avec les dessinateurs, c'est un monde avec tous ces gens-là. Alors je suis pas collectionneur de BD, mais je suis collectionneur de dédicaces. Et ma plus belle aujourd'hui est de 1963 et c'est une Walt Disney. Donc... Ça vous a permis de voyager, donc ? Ah, sur toute la France, à une époque, oui, à raison de 25 salons par an. 25 salons par an, ça fait des mois où il n'y en a pas, ça fait qu'on arrivait à faire des 3 salons dans un mois, c'est très fatigant même. Ouais. Parce que, et j'ai toujours eu ma femme qui m'accompagnait, c'est déjà un bon coup de main, parce que ça aide aussi bien pour le moral que pour, des fois, tenir le stand quand on a sommeil. Donc, vous avez 17 000... 17 000 BD actuellement. C'est pas vous dites que c'est pas une collection ? Non, c'est pas une collection, puisque je suis marchand et que je les revends. Oui. C'est pas une collection. C'est quand même l'envie... J'ai 200 BD vraiment de collection parce qu'elles sont dédicacées. Celles-là, je les vends pas. Et après, j'ai 400 dédicaces sur papier libre à peu près. Vous trouvez vous-même des bandes dessinées pour les vendre ? Les gens viennent m'en vendre, tout simplement. Les collectionneurs qui veulent arrêter une série, les collectionneurs qui veulent changer de groupe, des choses comme ça, viennent et m'en vendent. Ou comme là, il y a une dame qui vient de venir avec des eaux fortes, avec des choses plus d'humour dessin, et en plus en allemand. Mais ça, c'est pas mon rayon, donc je lui ai dit non, moi je prends pas ça. Mais c'est de la BD, je me suis encore fait respecter par ma femme si les BD me plaisaient, parce que je les aurais pris. Je vais vous montrer quelque chose de spécial. Je vais même vous le déballer parce que ça vaut le coup. C'est une Taufer. Et Taufer est le premier dessinateur à avoir amené la BD en France. C'est un prothésiste dentaire suisse qui, en 1828, a créé une BD. En 1838, il l'a éditée. Et après, il a sorti une autre BD en 1860. Et sur la grande qui est là-bas, il y a tout son travail de sa vie. Donc il y a plusieurs BD, et voici la deuxième, qui est la 1860, et c'est donc Les Amours de Monsieur Vieux-Bois, et voilà comment ça se présente. Voilà. Et ici on voit que c'est première édition, 1860. Alors le dessin, bien sûr, est très très particulier par rapport à aujourd'hui, parce que ça se présente comme ça, avec les textes en dessous à la plume. J'ai envie de vous demander quels sont les imprimeurs qui sont des imprimeurs un peu particuliers. Ah ben ça se faisait sur la pierre. C'est une pierre spéciale que j'ai vu travailler encore une fois du côté de Nîmes, enfin d'Antibes. C'est une pierre qu'on ponce. Une fois qu'elle est poncée, ils font un dessin, ils mettent un acide. Cet acide ronge très, très finement la pierre. On la lave. Et cette pierre qui est en relief ou en creux, suivant les cas, à ce moment-là, on met l'encre et on imprime. Et on tire X nombre de fois. En couleur ou pas ? Ah non, pas en couleur. Noir et blanc, tout le temps. Et après, on efface ça, on le reponce un petit peu avec un genre de pierre ponce, et on refait une couche et on en refait une autre. Mais on ne pourra jamais refaire la même. Oui. C'est ça le... Alors c'est donc du tirage limité, et ça rentre dans une autre catégorie aussi. C'est ça que la BD... Alors on a des gros livres qui s'appellent les BDM. Je vais chercher un.
Les BDM, c'est des choses comme ça. C'est, en vérité, c'est les trois noms des gens qui sont les éditeurs et qui, eux, ont créé. Et c'est tout un Argus de BD avec tous les prix. Il y a ici 120 000 BD dedans. C'est l'Argus. Les prix. Actuel, l'Argus. Actuel, mais bientôt la fin, parce que ça sort tous les deux ans, et il doit sortir ici incessamment sous peu. Et cette BD, ce livre, ressort tous les deux ans, avec des remises à jour, des nouvelles sorties, ainsi de suite. Mais les prix sont faits par ça, dans la plupart des cas. Alors, il faut que la BD soit impeccable. Après, elle est dégressive si elle n'est pas en bon état. Après, elle est ou exagérée en prix par celui qui veut vendre plus cher, s'il y arrive. Donc, il faut savoir où on va. Il y a intérêt à demander à des gens ou à demander l'Argus. Moi, je l'ai avec tout le temps sur les salons parce que quelqu'un qui veut comparer mes prix, il me demande l'Argus, je lui donne. Comme ça, il le voit. Le Toffer, là, que vous avez montré, il est vendu combien ? Alors, le Toffer, aujourd'hui, il est pas vendu. Moi, je l'ai mis à un prix surélevé. Je m'en cache pas, hein. Parce que je veux pas le vendre. Si on me donne ce prix-là, je le laisse partir. Mais je veux pas le vendre. Pourquoi ? Parce que quand on dit qu'est-ce qu'il y a comme vieille BD sur un salon, BD, les gens viennent chez moi. Et c'est des gens comme vous qui viennent. Donc je suis sur la presse ou sur le local. Ouais. Bon, donc ça, c'est ma pub. D'accord. Oui, c'est logique, hein. Donc tout le problème est là. D'accord. Bon, est-ce que vous trouvez qu'il y a assez d'acheteurs ? Bah ça, vous venez ce soir, je vous le dirai. Ah, oui, mais c'est peut-être pas le premier salon que vous faites. Non, c'est pas le premier. Il y a un marasme. Alors non pas qu'il n'y a pas les acheteurs. Il y a surtout que c'est au président de la République qu'il faut s'adresser là. Ouais. Il faut qu'il augmente les retraites, il faut qu'il augmente les salaires. Et là, on aura encore plus d'acheteurs. Non. D'accord. Effectivement, c'est une façon de voir. Bon, en tout cas, il y a des dessinateurs qui sont pas du tout connus. Est-ce qu'on parlait d'édition indépendante à une certaine époque ? On en parle toujours. On appelle ça de pas de l'auto-entreprise, mais de l'auto-éditeur. C'est-à-dire que l'éditeur édite une BD avec des risques d'arnaque. Hein. Il signe un contrat avec un dessinateur. Il signe un contrat pour 3000 BD. Donc il fait éditer 3000 BD, enfin c'est ce qu'il dit, et suite à ça, le dessinateur signe, mais dans le contrat il est prévu que si jamais c'est pas vendu, ça passe au pilon ou au soldeur. Bon, ce que nous on est appelé des soldeurs. Là-dessus, l'éditeur en tire en vérité 7000. Il en met tout de suite 4000 au soldeur. Et avec la vente de ces BD-là, à prix cassé, il paye son imprimeur. Donc il est blanc, il est fini. Il n'y a pas de perte. Donc, et le dessinateur fait son boulot. Mais le dessinateur, son problème, c'est qu'il doit vendre 1500 BD dans la première année pour avoir le droit à faire le numéro 2. S'il ne les vend pas, bah, c'est passé au rébus les non vendus, donc à nouveau au soldeur, et l'éditeur gagne sa vie. Et le dessinateur, il n'y a rien. Il y a les yeux pour pleurer. Alors donc ils ont tous décidé, tous ceux qui le peuvent, de devenir eux-mêmes éditeurs. Donc ils vont voir des éditeurs indépendants ou des imprimeurs indépendants, ils se font faire la BD, ils payent leur BD, et ils ramènent et ils les font chez eux. Et ils les vendent eux-mêmes. Alors je dois monter normalement un salon pour le dernier week-end de juin 2015 au Bug. Et sur ce salon, on aura le parrain qui est lui-même un auto-éditeur, ce qui est Georges Ramaioli. À côté, on aura Mancini, on aura BM. Bon, BM est imprimeur, éditeur et dessinateur édition pour lui-même. Donc voilà, il y a tout un amalgame. C'est parmi 15 dessinateurs, hein, c'est les trois premiers. Les trois premiers, ce qu'on appelle les premiers, c'est un petit peu la locomotive, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment des renoms attirent du monde. Si vous faites un salon avec des gens pas connus, bah, il n'y aura personne, forcément. Donc il faut mettre du pas connu pour les faire connaître, mais il faut aussi amener des connus, et il faut, nous, faire tourner cet ensemble pour que tout le monde s'y retrouve. Est-ce qu'il y a des salons de la bande dessinée qui sont plus importants que d'autres ? Celui-là, c'est... Alors, le plus important de renom, c'est Angoulême, parce que c'est le connu mondial. Mais je ne dis pas que ça soit le plus intéressant dans la mesure où, d'abord, l'entrée est assez chère. Après, quand on y est, les queues sont très longues. Enfin, c'est un cas, c'est très particulier.
Moi, quand je faisais surtout ces salons, j'allais surtout voir les petits jeunes qui démarrent, parce qu'eux nous font des dédicaces qui sont très très belles et qui prendront une valeur sentimentale et une valeur autre si on en avait besoin. Parce qu'un jour, un dessinateur m'a dit « Tu les vends pas ?» Je dis non. Et il dit « Un jour, tu peux les vendre. » Je dis « Pourquoi ?»« Si ta femme est malade. » Il m'a mis devant une fête accomplie. C'est vrai que dans ce cas-là, je ne sais pas ce que je ferais. Donc, je sais pas, elle est là, hein, je ne peux pas le dire, mais je ne sais pas si je préfère les dédicaces ou la femme. Belle chute. Vous êtes Fréquence Bleue ? Non, Canal Pour. Ah bon ? Canal Pour. Vous faites où ici ? Uniquement le web. On va passer la carte. Ouais, ça m'intéresse pour. Ouais. Oui, oui. Bah oui. Bonjour Monsieur Paul Masson. Bonjour. Vous aviez été aux Enfants de France, vous avez été président. Oui, c'est une vieille histoire, ça. Parlons d'autre chose maintenant. Alors vous faites partie de la commission Relure au sein de l'association. C'est une petite association que nous avons créée il y a 6 ans avec Hubert Feuille, l'ancien président, c'est lui qui l'a créée. Et quand il a quitté le club, eh ben, elle a survécu et maintenant nous sommes plusieurs à animer cette petite section qui a intéressé beaucoup de monde puisque nous avons environ 25 personnes qui viennent faire de la reliure avec nous tous les vendredis matin et qui sont des passionnés parce qu'il faut être passionné pour faire de la reliure. On a beaucoup de choses à apprendre et on apprendra toujours beaucoup de choses. Donc les bonnes volontés sont les bienvenues. Les bonnes volontés sont les bienvenues et surtout ceux qui ont des intentions de restaurer de vieux livres, de faire, voyez comme on le fait ici, on a quelqu'un qui travaille sur un cousoir, de reprendre un livre en mauvais état et lui redonner une nouvelle vie en le gardant au maximum dans son jus, c'est-à-dire en lui gardant son authenticité du plus qu'on le peut. Alors qui au départ a été un peu celui qui a appris aux autres ? Alors, ben, il n'est pas encore arrivé parce qu'il habite à la Linde et il ne va pas tarder à arriver. C'est M. Janillon, qui lui-même relie depuis une bonne dizaine d'années, qui a appris avec des relieurs régionaux, des Parisiens qui se sont retirés en Dordogne. Et il y a un petit club sur la Linde qui tourne très bien et qui fait partie de notre association aussi. Et on se retrouve régulièrement chez eux, ce qui donne un dynamisme assez fort en Dordogne pour la reliure, alors qu'il y a beaucoup de départements qui n'ont plus aucun relieur. Mais nous ne sommes pas des professionnels et nous ne travaillons que pour nous ou pour les amis. On n'a aucun acte commercial. Pour ça, il y a des relieurs professionnels en Dordogne. Il y en a un à Périgueux, M. Legrand, qui travaille très bien. Les gens qui veulent faire restaurer quelque chose moyennant finance, on les adresse chez lui. Sinon, vous, vous vous consacrez aux livres qui gravitent autour. Voilà, tout ce que vous avez dans la vitrine là, c'est des bouquins qui ont été faits par les gens du club et pour les gens du club. Voilà, merci. Oui, parce que la reliure apparemment concerne autant le fait de fixer les pages entre elles que d'agencer la couverture. Et... Voilà. Vous voyez, vous avez là... Ça marche toujours, là. Vous avez là un bouquin... qui a été repris entièrement, qui a été cousu. Là, vous l'avez dans un deuxième temps, couvert carton posé, dos posé, tranche fil faite, et après, on va lui faire le revêtement qui peut être en peau, qui peut être en papier, qui peut être en tissu. Évidemment, on ne relie que des livres qui en valent la peine, il faut que ça se justifie un peu. Hein. Oui, bien sûr. Et puis quand c'est un livre trop vieux avec un mauvais papier, on a du mal à les relier parce que les papiers se déchirent à la cousure aussi. La cousure que vous voyez là. Ça, on a l'impression que c'est pas efficace alors qu'en fait ça donne un résultat très très beau. Ah ben c'est la même chose depuis le XVIe siècle quand même. Hein. Les bouquins se font comme ça avec le système de grecage qui encastre les ficelles. Vous voyez ? Vous avez d'autres systèmes de reliure ou... Oui, bien sûr, vous en avez deux qui sont dans le bas de la vitrine, qui sont des reliures. Ça qui est dit une reliure croisée, vous voyez, vous avez des cuirs différents des deux côtés, et le mouvement des cuirs, c'est deux cuirs différents qui se prennent comme ça. Hein ? J'imagine qu'il y a encore des tas de façons. Et après, on coule les cahiers par-dessus. Ça qui est en train de se faire, qui est dit une reliure piano. Ce sont des cuirs différents aussi. Et on a des épaisseurs totalement différentes, ce qui permet ici d'encastrer par exemple des documents, des photos et de regagner de l'épaisseur du livre. Ce qu'on ne peut pas faire dans un livre classique.
Là, vous avez le livre, là, la couverture qui est dite passé carton, alors qui peut être demi-cuir, cuir, papier, cuir, avec des incrustations ou des dessins. Madame, bonjour. Vous êtes Agnès Roncel. Donc vous êtes secrétaire? Oui. De l'association? Des collectionneurs bergeracois. Mais surtout aujourd'hui, et avec encore plus de plaisir, je dirais, organisatrice avec Agnès de l'exposition d'aujourd'hui. Alors ça demande une organisation au niveau du temps et puis des places et voilà. Du temps, des places et puis surtout de la recherche, parce que comme nous sommes des collectionneuses, comme notre salon est un salon du livre ancien, nous essayons au maximum de faire coïncider notre exposition avec la collection et l'ancienneté. Cette année, on a fait un tout petit peu une distorsion. On a fait un gros travail de recherche sur ce qu'était la bande dessinée avant les années 60, mais on a mis aussi, ici et là, quelques petits témoignages du fait que depuis 60, ça continue et ça va continuer longtemps. Donc c'est beaucoup de coups de fil, de rencontres de gens qui ne sont pas forcément de Bergerac. C'est... Dieu merci, nous avons nos partenaires habituels, hein, les médiathèques, Bergerac, Saint-Claude-la-Grande surtout. Mais aussi, nous sommes constamment dans un travail de recherche. Nous sommes tombés un peu par hasard sur M. Castelin, que vous avez sans doute interviewé déjà. Voilà, oui, des recherches de partenaires, des recherches aussi, des recherches pour approfondir le sens que nous voulons donner à notre exposition du jour. C'est quand même deux salles, la salle René Coaco et la salle d'escrime. Alors, la salle René Coaco, nous n'avons touché à rien. C'est notre président qui prend ça en charge avec une équipe autour de lui, bien sûr. Et c'est lui qui fait tout le lien avec les marchands qui sont aussi un peu dans cette salle, hein, mais le gros est dans l'autre salle, parce que notre exposition, elle est là pour soutenir un salon marchand. Hein. On voit des exposés, comme on fait à l'école primaire, demander aux enfants de faire des exposés. Là, ce ne sont pas des enfants, c'est vous-même, c'est beaucoup de petites mains. Eh bien, c'est quatre petites mains, ouais. Celles d'Agnès et les miennes, voilà. Ça fait partie du travail de recherche dont je parlais tout à l'heure. Oui, parce qu'il y a expliquer ou donner envie, tout ça s'est mélangé. Absolument, absolument. Si on arrive à donner envie, ça sera très bien, y compris l'envie de lire. Mais oui, voilà, c'est apporter une connaissance, parce que nous avons essayé de retrouver des noms de créateurs de bandes dessinées qui ne sont pas forcément à notre époque reconnus comme tels. C'est un travail de recherche qu'Agnès a pris en main, qui nous permet de présenter le maximum de personnages de bandes dessinées. Et puis c'est un travail de recherche, mais là je dois dire que j'ai été aidée, parce que c'est quelque chose qui a déjà été, et donc j'ai repris un travail de recherche sur le phénomène de la bande dessinée au Japon, qui est quand même quelque chose d'assez particulier. On parle beaucoup des mangas, mais la bande dessinée au Japon existe depuis le 8e siècle. Donc il y avait là aussi beaucoup de choses à dire. On voit des bandes dessinées qui ont quand même pas mal pris le jaune, si je puis dire. Comment ou est-ce que le numérique peut retrouver une façon d'imprimer de nouveau ou autrement que le numérique? Ah, c'est une question bien délicate que vous me posez là, et surtout pour y répondre en si peu de temps. Hein. On va s'expatrier, on va aller au Japon. Au Japon, c'est vrai que depuis le 11e siècle, existe le théâtre de rue, qu'on appelle le Kamishibai, je ne suis pas sûre de la prononciation, et qui a été pratiquement tué par la télévision. Sauf que la télévision s'est rendu compte que ils étaient un excellent outil pour continuer. Parce que les auteurs de Kamishibai, ils sont devenus des auteurs de mangas. Ils font des mangas, et ça, il y en a plein. Mais ils ont aussi réalisé qu'ils pouvaient faire, alors on appellera ça un soap aux États-Unis, mais
Il y a un certain relais qui est pris comme ça, puisque le Gamishibai, en fait, c'est du conte. Hein, et donc, la télévision peut aussi, en se basant sur les dessins faits par les auteurs japonais, peut présenter des choses de cette manière-là. Il y a les planches, une planche pour l'imprimeur, vous en avez exposé ? Ça ressemble. Vous allez parler avec Tintin, pardon, vous allez parler avec Marc, qui est notre ami collectionneur passionné de Tintin, et entre nous, voilà, ça a un peu dérapé. Non, c'est très affectueux. Mais lui, on a en particulier une qui est très intéressante, et avec lui, je pense qu'il vous détaillera ça bien. Bonjour Frédéric Medrano, vous êtes artiste avant tout. Oui, ben, je suis auteur, illustrateur de BD. Enfin, je fais des albums bande dessinée et des livres jeunesse. Un peu. Alors, soit je coopère avec un auteur, surtout sur les albums jeunesse, soit je travaille sur des projets plus personnels en bande dessinée, notamment un album sur un groupe de jazz dans le New York des années 50 ou d'autres versions comme ça. Voilà. On vit bien de l'art ou disons du dessin, de la bande dessinée ? Bah, disons que c'est comme toutes les professions artistiques. Bon, il y a les gens très très connus qui en vivent confortablement, puis les autres qui vont et voilà, ont des fois du mal à joindre les deux bouts, et puis on bricole. Enfin, moi je fais plusieurs activités, c'est-à-dire que je réalise donc des albums BD jeunesse, et en même temps j'anime assez fréquemment des ateliers pour un public scolaire et autres, voilà, qui me donne un complément. On vous a coupé dans votre inspiration, vous étiez en train de faire un autographe. Oui, une petite dédicace. Ouais. Pour vous poser une question très technique, qu'est-ce qui est mis sous presse par l'imprimeur ? Est-ce que c'est une plaque en quadrichromie d'argent, de chrome, d'ocre, comment ça se passe ? Ça dépend, parce que maintenant, au niveau des systèmes d'impression, ça a beaucoup changé. Alors ça dépend des tirages. Alors si c'est des tirages comme ça existe encore en offset, des gros tirages, tout ça, ben oui, il y a encore des chromalins, enfin tout un tas de systèmes d'impression un peu plus anciennes. Mais maintenant, avec les machines numériques, c'est différent. On arrive avec un fichier numérisé qu'on passe à l'imprimeur, et puis après il fait les réglages et il fait des sorties couleurs pour voir si ça correspond bien, la sortie papier, à ce qu'il voit sur l'écran. Donc un livre ancien peut être numérisé et scanné, vous pensez ? Ou une BD ancienne C'est possible. Alors le mieux, ce serait de repartir des originaux. Oui, c'est ça. Mais des fois, ils n'ont pas retrouvé les originaux, donc ils vont repartir d'une impression plus ou moins en bon état, voilà, d'un tirage ancien. Il faudrait le faire le plus tôt possible, finalement. Dans certains cas où de bandes dessinées connues et autres, je sais pas pour les RG et tout ça comment ça marche, ils doivent avoir gardé les originaux, ou au moins ils ont très vite numérisé, mais après dans d'autres cas je sais pas. Après, c'est comme en cinéma là, les bobines et tout ça, est-ce qu'ils gardent tout, est-ce qu'il y a des trucs qui se détériorent? Bon, il faut laisser les grands faire ce qu'ils savent faire. Moi, après, je garde précieusement mes originaux, bien que ça m'arrive je fais pas mal de salons un peu partout en France, et ça m'est arrivé de trouver des collectionneurs qui vendaient, qui voulaient des originaux, tout ça, d'auteurs pas forcément très connus, mais. Parce que moi, un original, c'est comme une peinture, c'est comme un dessin. Ça a quand même un attrait visuel que n'a pas une impression, quoi. Bonjour, monsieur Jean-Sylvain Crespe. Bonjour. Oui. Vous êtes bergerois ? Non, non. Non, non, moi, je viens des environs de Limoges. Donc, j'habite juste à côté de Limoges. Alors, vous êtes restaurateur de documents graphiques, de livres anciens, relieur. Y a-t-il une école ?
Alors, il y a plusieurs écoles en France. Elles sont pratiquement toutes à Paris. Il ne faut pas se cacher, se voiler la face. Moi, j'ai appris auprès d'un maître artisan. Donc, il y a plusieurs façons d'apprendre. Il y a en institution ou auprès d'un maître artisan. C'est un maître... Alors, c'est un maître le métier d'art, justement, de la restauration. Donc, c'est quelqu'un qui a aussi développé beaucoup de techniques en France de restauration qui sont appliquées aujourd'hui par la Bibliothèque nationale de France, par les archives nationales, par beaucoup d'autres, d'ailleurs, aussi. C'est quelqu'un qui lui-même s'est formé, d'ailleurs, ce qui peut paraître assez surprenant, mais en grande partie à l'étranger. Donc, il s'est formé notamment en Suisse. Et donc, aujourd'hui, il transmet son savoir. Il est en train de développer une grande école. Qui s'appelle le CFRPE, qui est donc le Centre de Formation de Restauration du Patrimoine Écrit. Donc voilà. C'est beaucoup d'années d'apprentissage ? Alors en moyenne, on compte 5 à 6 ans, sachant qu'il faut en général avoir déjà un bagage dans un domaine de l'art. Alors par exemple, pour mon cas personnel, j'avais déjà une formation d'historien spécialisé en histoire de l'art, et on nous exige aussi d'avoir un CAP de reliure pour pouvoir en fait développer ça. Donc on dit 5 à 6 ans, mais en moyenne il faut déjà un bon bagage en fait d'études. Et ce maître connaissait des techniques uniquement suisses? C'est peut-être bête comme question, mais vous allez me dire que non. Alors je vais pas vous dire que non, parce que si justement finalement chaque pays a son histoire en structure de relieu. Par exemple, il connaissait une technique qui est peut-être moins connue en France, qui se développe beaucoup plus à l'étranger, mais par exemple le bradel suisse. Bah, c'est une technique qui appartient justement à la Suisse. Le Smith, ça vous dit quelque chose, le Smith, utilisé par Pepper Blanc? Alors, il y a beaucoup de techniques, non, celle-ci ne me parle pas. Mais je ne prétends pas être connaisseur dans toutes les structures, on apprend toute sa vie, donc il n'y a pas de souci avec ça. Mais non, ça ne me parle pas, celle-ci. Quand on a deux morceaux de papier, la même parabole que le tissu, est-ce qu'on peut arranger un papier qui est déchiré? Alors un papier, bien sûr, oui, on peut le remettre. Alors le but de la restauration, c'est bien sûr de ne pas remettre le document dans un état neuf, c'est de lui permettre de continuer sa vie, on va dire, sans se dégrader plus qu'il ne l'est déjà. Donc on va pouvoir regreffer du papier, on va pouvoir réparer les déchirures. Le but n'étant pas, suivant la nature du document, forcément de le rendre invisible, mais c'est de freiner la dégradation du document. Donc un document déchiré, par exemple, on va pouvoir bloquer cette déchirure, ce qui évitera qu'elle se développe dans le temps. Un papier qui est abîmé, comme par exemple les éléments que vous avez ici de présenter sur le stand, on va pouvoir combler cette partie qui manque, les lacunes, ça permettra d'éviter vraiment la dégradation. J'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment le plus important en fait dans la profession. Y compris un fongicide ? Pardon. Y compris un fongicide pour... je pense à différentes façons de réparer. Alors il y a beaucoup de façons, justement, tout dépend de l'optique que l'on veut donner au futur document restauré. Je vous ai confié un petit travail personnel pour moi et vous m'avez proposé des techniques japonaises. Alors, oui, bien sûr, on peut justement... Le but des métiers du livre, justement en restauration, c'est de connaître le plus de techniques possible. Alors, comme je disais, on apprend toujours parce qu'on n'en connaît pas forcément toutes les techniques. On en connaît déjà un très grand nombre. Et on connaît aussi des techniques étrangères comme la reliure japonaise, avec les différents modes de reliure japonaise. Et on va adapter justement suivant la demande, en tout cas en reliure, on va essayer, la demande par rapport au document qui nous est confié. Donc on va pouvoir s'adapter et adapter la technique au document. De toute façon, c'est le document qui guide en fait l'action. C'est pas forcément d'ailleurs, ce qui peut paraître assez surprenant, mais c'est pas toujours la volonté du client, c'est plutôt le document qui va justement dicter ce qui est nécessaire de faire. La nature du papier, la nature des encres, si on veut que le document s'ouvre pleinement, si on veut qu'il ait... si on veut qu'il soit par exemple sur un document d'exposition, ce ne sera pas du tout en fait la même technique qu'un document qu'on va laisser tranquillement vieillir, on va dire, dans une bibliothèque, on va consulter que de temps en temps. On va lui demander justement d'avoir une plus grande ouverture, de pouvoir être plus lisible, alors qu'un document, voilà. Vous avez une boutique, comment ça se passe? Alors moi j'ai surtout un atelier, je travaille à domicile en gros, j'ai une pièce que j'ai fait construire spécialement pour la restauration, qui a des caractéristiques particulières, parce qu'il faut un taux d'hygrométrie particulier, il ne faut pas trop d'exposition à la lumière, il faut une température constante. Donc voilà, mon atelier, je l'ai fait pour qu'il corresponde à ces
règles qui sont des règles muséographiques. Donc en gros, mon atelier est pratiquement un musée. Dernière question peut-être, à moins que... qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? Alors j'ai eu la chance d'être dans une famille où le livre a toujours eu sa place, une place très importante. Et j'avais notamment un grand-père qui était un grand collectionneur de livres, qui avait beaucoup de reliures, notamment des éditions d'art, et avec des illustrations de Matisse ou autres. Donc j'ai toujours baigné dans le monde du livre. En faisant les études d'histoire, j'ai été confronté à la dégradation des documents anciens, et puis au toucher, on va dire, au document lui-même. Et donc j'ai eu cette envie de vouloir en fait justement restaurer ces documents, d'éviter qu'ils se perdent dans le temps. C'est pas l'envie de restaurer avant les livres, c'est les livres en premier. C'est vraiment les livres en premier. Et ensuite on comprend, plus on apprend sur les livres, l'importance des techniques, l'importance de ce savoir ancien et de l'importance de le préserver justement pour les générations qui viennent après nous. Donc on s'intéresse aux livres, on pense souvent faire de la reliure, et puis on se rend compte que, en tout cas moi personnellement, que l'intérêt majeur c'est surtout de les préserver. Donc c'est ça le plus important. Donc une passion ou un sacerdoce, comme on veut. Il faut de toute façon, puisque c'est un métier qui prend un nombre d'heures incalculable, voilà. Donc il faut être passionné pour faire cette profession. Merci. Thank you.